Mais d'abord un peu d'histoire avec les trois victimes d'Iéna cette saison, qui s'appellent Izmir, des Turcs, les Bruxellois de Molenbeek, battus à l'épreuve des pénaltys, et puis l'autre Belge, ici en la personne du Standard de Liège, qui joue en maillot rouge. À l'aller, Iéna avait gagné 2-0, les Allemands de l'Est confirment ici 15 jours plus tard, à Liège, où ils prennent l'avantage avec leur numéro 10, Segenwald, qui a été remarquablement servi par Weise. Iéna 1, Liège 0, l'équipe allemande a fait un grand pas vers la qualification, à la mi-temps 1-0, mais sur ce coup franc, vous l'avez vu, le Standard se replace, disons, un tout petit peu mieux. Égalisation par l'avant-centre du Standard, mais il faut tout de même 3 buts pour que les Belges se qualifient. Tâche quasi impossible quand on connaît l'organisation défensive du club allemand. D'ailleurs, Iéna va mettre rapidement fin à toutes les suppositions ici, avec Raab qui s'infiltre, qui va être stoppé irrégulièrement, cela se passe dans la surface, et cela bien sûr est sifflé par un pénalty. C'est Weise qui va exécuter la sanction, alors que l'on revoit d'abord la faute commise sur Raab. Il effectue un crochet, élimine un premier adversaire et qui se fera éliminer irrégulièrement, pénalty. Weise pour le tirer, il va réussir, vous allez le voir en deux temps, rendez-vous avec Bastien.